Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing, bien sûr, avec la boutique Diamond Argif. Voilà, je l'ai reçu hier, mais j'ai pas eu, d'habitude je fais la vidéo tout de suite, mais là bon, j'ai pas eu le temps hier. Donc j'ai reçu mon paquet hier. C'était alors mon email avec la boutique Diamond Argif date du 28 septembre. Voilà, ça vient tout petit peu plus longtemps que d'habitude, mais je pense que c'est un peu partout. Je pense que c'est à cause des grèves qu'il y a en ce moment, le carburant, tout ça. Je crois qu'il y a un petit ralentissement, mais bon, ça va. Ça se comprend. J'ai reçu donc. Alors, attendez, je regardais parce que je voyais. Ah, voilà. Excusez-moi. Ah, ben non, elle ne veut pas. Bon, ça fait, c'est pas grave. On mettra un élastique. Je vous montre après. J'ai reçu donc aujourd'hui, avec la boutique Diamond Argif, 2 DP. Voilà. Et un accessoire. Donc, je vous montre tout de suite l'accessoire. Voilà, c'est une boîte, vous voyez, bon, là, c'est parce que j'ai l'habitude de mettre le nom de la boutique et quand je l'ai reçu, donc j'ai mis un sticker derrière. Donc, c'est une boîte avec des carrés de glu, mais je viens de voir qu'elle a du mal à fermer, c'est pour ça, que je vous... Ah, peut-être là, attendez, je crois avoir vu pourquoi. Non, elle a un petit peu de mal à fermer. Bon, c'est pas très grave. On mettra un petit élastique autour. Attendez. Excusez-moi. C'est parce qu'il y a, un truc qui accroche, qui dépasse. C'est peut-être ça qui empêche de bien fermer. Voilà. Non. Bon. C'est rien. C'est pas grave. Alors, on a... alors, si je ne me trompe pas, 34 carrés environ, comme ça, de glu. Alors, c'est Chouchou qui voulait avoir de la glu supplémentaire. Donc, voilà. Moi, je vais trouver ça. Il y a les petits pots hein, aussi, ronds. Mais bon, il y en a beaucoup moins. Donc, je vais trouver ça. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petits carrés. Il y a de quoi faire. Voilà. Et puis, on va les laisser dans la petite boîte pour les conserver. Mais du coup, il va mettre un élastique autour. Alors, son prix pour ce petit accessoire, alors, est-ce que c'est des $? Je pense que c'est en dollars, j'ai oublié de mettre le sigle. 2,99 $ pour donc 34, environ 34 pains de glu. Voilà. Et on a donc un DP, un autre DP. Voilà. Alors, je vais mettre face. Excusez-moi, il y a un chat dans la gorge. Je vais me mettre face bureau comme d'habitude pour vous les présenter. Ce sera beaucoup plus facile. Alors voilà, donc premier DP, c'est un DP qui fait 40-40, donc c'est un carré. Voilà, vous pouvez voir, hop. C'est un 40-40 en perles rondes. Donc 40-40, il faudra que j'aille chercher un cadre chez le roi Merlin. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Il y a avec le petit toolkit, voilà, comme d'habitude, hein, la colle, le petit plateau et le stylet, le rose. Et on a, alors j'ai oublié de regarder combien de couleurs, on a 21 couleurs. Hop. Je vous montre donc les couleurs. Oh, attendez, je vais enlever le flash. Voilà. Joli bleu, un petit vert pomme. Alors ça doit être du noir, non? Alors attendez, je regarde. Non, c'est pas du. Ah, le noir est de l'autre côté. Oui, non, c'est pas un noir. Il y a du bleu, un
un joli jaune, un gros paquet d'oranges, un autre orange. Ah, là, il y a un... Il y en a une qui s'est sauvée, qui s'est évadée. Voilà, du jaune, du jaune, du jaune, du jaune. Du rouge, encore du rouge, toujours du rouge. Un petit vert comme ça. Du noir, voilà. Et un gris. Voilà pour les couleurs. Vous voyez, des jolies couleurs. Je les rangerai après. Ah non, pardon, excusez-moi, il y a encore un chapelet, je ne l'avais pas vu. Alors, du blanc. Mais je ne pense pas que c'est le vrai blanc, je vais vérifier. Un petit beige. Là, c'est un gris très foncé, gris souris. Et un bleu ciel, voilà. Alors, le blanc, est-ce que c'est le vrai? Non, ce n'est pas le vrai. Alors, maintenant, je vous fais découvrir, je connais quelqu'un qui va, à qui ça va plaire, hein, Ludovic. Je sais que tu aimes ça. Voilà. Donc, c'est Mickey avec ses deux copains, Donald et Pluto. Voilà. Oui, en ce moment, Chouchou est beaucoup dans le dessin animé, mais bon, j'aime bien aussi, hein, donc ça ne me gêne pas. Donc, voilà. Un joli Mickey, joli Pluto et un Donald. Alors, niveau impression. Bon, écoutez, c'est top, hein. On va regarder un petit peu plus loin. Voilà. C'est très bien. Ça colle. Alors, on a... une légende en haut à gauche et une en bas à droite. Ici en bas, vous retrouvez les explications comment on fait un DP. Et en haut, les références du kit plus sa taille, donc un 40-40. Et ici, vous retrouvez l'image. Alors, je ne sais pas si je vais bien savoir, hein, ça va à peu près, mais je vous remets la photo comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier DP qui est au prix de 6,99 $. Voilà. On passe au suivant. Alors, deuxième DP, c'est un 30-40 avec 24 couleurs. Voilà. Ce sont aussi des perles rondes. Donc, avec, on va avoir un petit toolkit, comme d'habitude. Et on a les perles que j'ai oublié de déballer. Donc, désolé, vous allez avoir du bruit. Voilà. Et je vous montre tout de suite. Donc, alors, je commence par le blanc. Est-ce que c'est un vrai? Non, c'est pas un vrai blanc. Le marron. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Du vert. Un joli vert pâle. Un autre. Du marron. Du beige. Du rouille, du vert, marron, il y a beaucoup de marron, hein, beige, encore un marron, un autre rouille, il est plus foncé ce que vous voyez, deux gros paquets de beige, du gris, gris foncé, un orange, un rouge, un autre gris, toujours gris, noir, couleur peau. Et ici, un violet, comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on dit. J'ai le mot sur le bord de la langue, mais je ne m'en rappelle plus. Prune, voilà. Couleur prune. Hop, et hop. Et je vous fais découvrir, alors je suis désolée de l'avoir reçu en retard, mais bon, c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. À Papa Noël, voilà.
Donc un joli Père Noël avec une bonne boubouille. Donc vous allez retrouver les références en haut comme d'habitude avec la taille, donc 30-40. La légende en haut à gauche, en bas à droite et les explications en bas. Alors, on va regarder comment il est imprimé ce petit Père Noël. C'est très bien. Nickel, nickel, hein? Même dans le blanc, voilà. C'est top. Et il y a ce qu'il faut en colle. Alors, ah, par contre, l'autre, j'ai pas dit, mais bon, ça, je vais revoir. Ici, ce ne sont que des lettres majuscules. Voilà. Donc, un joli Papa Noël. Alors, ce petit Papa Noël, il est au prix de 4,99 $. Donc, un très bon prix pour un joli Papa Noël. Voilà. Je vous remontre ce que j'ai choisi. Donc, Mickey avec ses copains Pluto et Donald. Le Papa Noël. Voilà. En 30-40. Et, hop, bien là, toi. Et la boîte de glue. Donc, vous avez 34 pains environ de glue rose dans cette boîte. Voilà. Bah écoutez, je suis très heureuse d'avoir présenté ces articles. Je remercie beaucoup la boutique Diamond Argif. Toujours très gentille lors de nos échanges. Et je les remercie également pour leur générosité. Je suis toujours heureuse de présenter leurs articles sur ma chaîne. Voilà. Je vérifie si j'ai un code promo ou pas. Je ne pense pas. À l'occasion, j'essaierai de demander à la boutique s'ils veulent générer un code promo pour vous. Si j'en ai un, je le rajouterai en barre d'infos. Voilà. Et là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des... Désolée, j'ai l'image qui bouge tout seul. Là, je ne sais pas pourquoi, mon téléphone. C'est un peu gênant, mais bon. N'hésitez pas à me dire ben, si vous aimez ce style de DP, si vous les avez déjà fait ou commandé, ou si vous aimeriez les faire. Voilà, dites-moi tout. Vous savez que je vous répondrai avec grand plaisir à tous vos commentaires comme d'habitude. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.